Ouais, les deux, grave. Du sud-ouest de la France et plus précisément du Lot-et-Garonne. Le projet que je porte s'appelle La Cigogne. Et La Cigogne, on va ouvrir une maison, la maison des producteurs fermiers à Paris, qui va réunir une trentaine de petits agriculteurs sur des produits du terroir qui ont du goût avec un vrai savoir-faire. Quelqu'un de curieux qui va se laisser guider par son goût et par nos conseils. Des hommes, des produits et des terroirs. Pâté maison de ma grand-mère. L'odeur des plumes grillées quand ma grand-mère faisait plumer les poulets. Non, c'est toujours aussi bien maintenant. Moi, je vois une agriculture un peu à deux vitesses, avec d'un côté une agriculture productiviste avec des bas coûts pour satisfaire la majorité des consommateurs, et de l'autre côté une agriculture très traditionnelle, très tournée vers la qualité, le goût, le savoir-faire. Parce que c'est jeune et que c'est beau. Lancez-vous et surtout gardez vos valeurs, quoi.